Voilà la surprise. C'est génial parce que depuis 20 minutes, je me dis, ça va être une vieille déesse, ça va être un concept car, ça va être un modèle à venir et tout, voilà. Et j'ai tout imaginé sauf la deux chevaux. Tu vas bien? Écoute. Ah, on conduit pieds nus. Ça va faire un carton. C'est impossible. Je suis obligé. Montre-moi ces chaussures quand même. Dis, voilà. Elles sont toutes neuves. Non, mais ça c'est mes chaussures. Mais finalement, non, mais en fait, elles viennent d'où? Elles sont magnifiques. Attends, mais là, je fais un gros plan. C'est qui ça? Non, c'est rien. Non, mais c'est seulement. Là, avec la voiture, c'est juste pas possible. Et en fait, c'est les premiers tableaux de bord et tout. Juste avant de partir, il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais conduis pieds nus, ce sera plus simple. Et effectivement, oui, c'est mieux. C'est très vintage, tu vois, ça fait très 60. Ça va. Hein? C'est super de conduire pieds nus, on se croirait à la plage. Ouais, je vais faire un petit tour de pâté de maison. Ouais. Les fameuses vitres comme ça qui vont retomber dessus. Elle est aimantée en fait, en haut. Bah, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas regardé une maille. Enfin, c'est la première fois que tu l'as conduit? Ouais, c'est la première fois. Donc, ça va secouer, tu vas le voir à la caméra. Super honneur. Regarde ça là. J'avais une Méhari dans le temps. Il y a 4 vitesses quand même. Oh là là, avec le. C'est énorme. Récemment, on a eu chez Citroën des petits tracts. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une société qui s'appelle Luca Dream qui loue des deux chevaux, des DS et des Méhari à des particuliers et à des sociétés. Et Donc vous en avez une en parc? Non, on ne l'a pas en parc. Là, il me l'a prêté pour la journée. Didier Parjadis. Parce que je lui ai dit, une DS ou une deux chevaux. Puis ils m'ont dit, non mais. Démarrer d'abord par une deux chevaux, après une Méhari. En plus, là, vu le temps, voilà. Et DS après, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est si t'es sage, je t'apporterai. Ah ouais, ouais, ouais. Liste de chaussures. Hein? Attends, je crois qu'il faut encore ouvrir à l'intérieur. Il y a un truc. Tu vois, ils se font chier à faire des capotes électriques, mais... Ouais, tu vas voir s'il pleut, tu comprendras. Attention, stop. Et là, on récupère cette petite lanière. Sauf que t'as peut-être pas assez serré, tu vois. Parce que regarde, tu vois, tu dois la clipser... Si, je crois que j'ai trouvé un bouchon. Donc ça y est, nous y sommes. Ah oui, donc pas de vitre à l'arrière. Attends. Mais c'est royal au bar. Allez, c'est parti. Conduit par Florian Brisavois. Ah ouais, j'ai rien mieux que nu, hein, je te confirme. C'est vrai, bah t'as le droit de remettre tes chaussures. Ouf. C'est là qu'il lui faut Hollande pour le 14 juillet. Ah oui. Il va réutiliser la DS, tu sais, ouais, ou pas? Il y a des chances, ouais. Mais il y a des gens aussi qui louent pour visiter Paris des deux chevaux. Avec 4 roues sous un parapluie. Voilà, ouais. Ça marche bien, ça. Ça marche bien, ouais. T'es pas le conducteur. Les mecs, ils ont carrément posé. Là, tu vas à gauche. Ils mettent des bérets et des marinières. Enfin, ils se la jouent. Il manque plus que la baguette de pain et l'accordéon dans la voiture. Mais pour un Américain, c'est follement exotique, quoi. Voilà, c'était PO1 en deux chevaux avec la belle Floriane. Je sais que vous apprécierez ce petit cadeau fait à PO1.